avec monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Ah, pas les oreilles. Non, vous pouvez le toucher, mais pas les oreilles. Non, je le touche plus, je respecte. Non, mais vous pouvez le toucher, mais pas les oreilles. Ouais, les jeunes chiens, faut pas toucher les oreilles. C'est la même chose. Ouais. On n'y voit jamais rien, ça manque d'éclairage. Donc voilà, non, je leur mets si on est là, hein, avec nos divergences, avec parce qu'on n'est jamais 100% dans la même pensée, et tant mieux, ça fait la On est d'accord que le système politique dans son ensemble il est corrompu. Jean-Phil n'a pas voulu venir. Donc là, maintenant, arrivent les présidentielles. C'est un moment. Un moment charnière, un moment où le système, là, c'est un peu le calme avant la tempête actuellement, c'est-à-dire que, bon, là, il se passe plus trop rien, parce que Hollande est en fin de course, mais dès qu'il y aura un nouveau président, bah, il va y avoir, en gros, des nouvelles réformes, des nouveaux trucs, ça va repartir, si c'est Macron, il va faire... Je sais pas comment on prend la parole ici, en fait. Ouais. Tu lèves la main. Ouais. Je suis permis d'en prendre en premier, parce que j'ai entendu l'atelier, mais... Je te laisse terminer en fait. Je finis vite. Et donc du coup, là, en gros, comment expliquer, il y a... Je vais essayer de faire vite, ouais. Il y a les élections qui arrivent, comme on sait. Et donc, il y a des gens qui, parmi nous, vont voter Mélenchon ou d'autres candidats, ayant l'intention de bien faire, de changer les choses. Mais probablement que ces candidats-là ne seront pas élus, même si par chance, on peut dire, s'ils étaient élus, globalement, c'est la haute finance qui dirige tout, donc il faudra changer les choses quand même. Et après, il y a des gens comme moi qui, voulant bien faire aussi, ne veulent plus voter et veulent construire un autre système. Donc, attends, je finis vite. Le but, parce qu'il va se passer des choses similaires en France, il y a un mouvement qui s'appelle Génération Ingouvernable qui va agir au moment des élections, faire des manifs, faire des choses comme ça. Donc, du coup, en fait, l'idée serait... mon idée à Nice, si vous êtes d'accord, serait d'aller devant les bureaux de vote, de faire un truc de recenser les votes blancs, et à la fois de et à la fois aussi de faire par exemple une action où on plante un potager devant le bureau de vote. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que en fait c'est un symbole d'autogestion. Ça veut dire qu'on est capable de cultiver nous-mêmes, de produire nous-mêmes ce qu'on a besoin et de ne pas travailler pour un système et donc de rentrer en autogestion pour construire un autre mode de vie que celui dirigé par cette politique pourrie. Voilà. En gros, si vous saisissez, c'est l'idée. Et le soir des élections, il y aura forcément Nuit debout puisque c'est tous les soirs. Donc rendez-vous ici à 20h au premier tour, 23 avril et 7 mai, au second tour aussi, à 20h. Et après on voit, et suivant notre colère, notre âge, notre détermination, notre organisation, on part en manif sauvage dans la ville où on fait des actions. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Après, à vous. Par rapport, j'ai envie de réagir. Et j'ai envie de m'immoler en fait, pour marquer un petit peu les... C'est vrai. Contre les gens, c'est pas normal. Moi, je veux bien m'immoler tout seul. Moi, en fait, globalement, j'ai pas peur de mourir et d'aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. J'hésite entre m'immoler et boire. Et manger de la limolette. Ah, ou quoi? Alors, la limolette, c'est pas bon cuire. C'est pas bon pour quoi. J'adore quand je me fais. Je ne sais pas. Non mais après mourir pour la lutte, peut-être que je pourrais m'orienter vers un choix. Ça aurait pu m'arriver. Que j'arrive pas à décider. Soit je m'immole. Bah oui, bah oui. Soit je me suicide et la limole. Mais pour l'instant, je me dis. Je me dis si on mourait d'un côté. Ça sera un peu dommage parce qu'il y aura encore, des luttes à mener. Il faut encore des gens. Mais du coup, si le vrai problème dans ce que tu racontes, c'est que tout est dirigé par la finance, ça veut dire que c'est un vrai candidat pour réguler la finance. Oui, et donc, j'ai oublié de compléter qu'il faudrait construire un autre système.
tel que occuper les lieux, cultiver nous-mêmes, construire nous-mêmes. Voilà quoi. Il ne s'agit pas juste de dire c'est pourri, contester et exprimer notre colère, mais par-dessus ça, il faut construire aussi. Pas seulement lutter, pas seulement être en confrontation. Moi, je propose des pancartes devant les bureaux de vote. Ouais. Mais élection piège à con. Ouais. Alors on va faire, on rappelle les signes, si on est d'accord on fait ça, si on n'est pas d'accord on fait ça. Si on Mantina, te rappelle quand t'étais bébé, t'étais petite comme elle. Si on veut... Mantina, te rappelle quand t'étais bébé. Prends ma fifi. Ouais, on piège à con. Ma fifi, te rappelle quand t'étais bébé. On peut décider d'accord. En fait, je suis parti en couille là, excuse-moi. Moi j'ai envie de rire, j'ai envie de rire un peu. Ouais, voilà. Pour rebondir en fait à ce que tu as dit, allez, assis. Je parle à plusieurs personnes ce soir, je parle, j'en ai parlé, tout ça, tu vois. Et je vais dans la continuité que tu as dit, tu vois. J'en reviens à est-ce qu'il faut alors élire quelqu'un ? Bah, élire l'opinion publique. Pour moi, c'est un mouvement politique. C'est pas. Ah oui ? Pleinement. C'est pas les bisous, finalement. Non ? Ah ben, on a toujours dit ça, hein. C'est un mouvement politique. Un mouvement politique. Non, mais on fait les cons entre nous, mais voilà. On est convivial, mais c'est un mouvement politique avant tout. À un moment donné, je sais pas, faire des choix. Je vois très bien qu'on n'est pas tous d'accord, on n'a pas le truc, la même vision des choses. Moi, je pense qu'il faut réveiller un peu le truc, parce que ça ressemble plus à un barbecue à Kukovic que autre chose. C'est toi un spécial qui vient bon, d'accord. Bon. Mais on a le droit de parler. Oui, nous, on a le droit de parler.